Bonsoir, bonsoir. Merci, monsieur Eric. Bonsoir. Je sais qu'il se fait tard dans vos pays, mais je pense que mes réflexions nocturnes méritent d'être sur cette page. Ah, Dorcas, tu ne dors pas. Hein, Dorcas, tu ne dors pas. Donc, ce sont des réflexions. Like, you know, these are random thoughts in the night, and I want to share them with you. All right, so I'm sure you're going to get something from me. Donc, des pensées au hasard comme ça que je voudrais partager avec vous. Là, vous êtes en train de vous coucher, pour ceux qui sont en France et de ce côté, mais ceux qui sont de l'autre côté, vous êtes à 18-19 heures. Peu importe la direction que votre train de pensée va prendre. La première chose que tu dois te rappeler, c'est que l'ennemi va toujours mettre devant toi des situations de peur apparente. Et le but, c'est de te faire rentrer dans ton ancien système de pensée. Bien évidemment, beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce que vous êtes appelé à faire. Peut-être tu vas rencontrer le même type de gars, tu vas retomber dans le même genre de relation avec un type de fille, et tout ça va s'arrêter quand tu vas réagir différemment. Parce que vous serez tenté d'agir de la même façon. Tu dois savoir que peu importe ce qui va se passer, ce problème que j'ai, je vais m'en sortir. Cette situation que j'ai. Et quand tu commences à te laver au sel, donc si vous venez, vous êtes nouveau sur ma page, je vous en prie, dès demain ou ce soir, lavez-vous au sel avant de dormir. Lavez-vous au sel. Donc tu mets une pincée de sel dans ton eau, ou bien une cuillère à café de sel, tu lis le psaume 35 dessus, tu te laves avec. Quand tu vas commencer à voir, certaines personnes ont des manifestations de maladie, d'autres personnes ont les ennemis qui se manifestent, d'autres personnes, pendant les premières semaines, tout va bien, après ça se gâte. Vous ne pouvez pas à faire les mêmes choses et vous attendre à des résultats différents. Donc, à un moment, tu seras tenté d'abandonner ton travail spirituel. N'abandonne pas. Si ton kit est fini, tu achètes le sel. Je vends le sel. Tu utilises en attendant d'avoir l'argent pour acheter un autre kit. Je vous ai dit qu'au moins 3 fois par semaine, vous devez faire le bain de pipi. C'est bien comme ça t'a menacé, Vanessa. Tu vois qu'il y a des saisons. Tu peux rester, tu fais 3 mois de bain de pipi sans problème. Un beau matin, on te secoue que fais le bain de pipi, tu fais. Comme tu as fait là comme ça. Ton corps te tape le jour là, tu comprends. N'abandonnez pas votre routine spirituelle. Même avec les yeux fermés, tu vas partir faire ce que tu dois faire. Allez-vous qu'on avait la passe.
Bonsoir, bonsoir, le justicier. Fatima, bonsoir. Je vois beaucoup de personnes. À un moment, vous commencez le travail spirituel, vous êtes là, yé. 6 mois plus tard, tu disparais. Tu es parti où? Odamha. Et? Tu dois savoir que même la veille de ta mort, tu vas te laver avec le sel. Donc, dans 80 ans, là. Merci pour le cadeau que vous avez envoyé, Bali, Bali Maka. Une autre chose que tu dois comprendre. Le monde est séparé en deux types de personnes, peut-être trois, mais voici les deux plus importants. Les personnes qui n'avanceront jamais parce qu'elles ont un mauvais cœur. Ceux qui n'avanceront jamais. Tu vois ton ex là que tu as laissé. Quand tu as rencontré ton ex, il conduisait un type de voiture qui secoue comme ça là, cochon. Vous êtes sortis ensemble. Donc, tu as pris son CV, tu as déposé dans les endroits. Il a commencé à aller. Ses choses ont commencé à marcher. 1 an et demi plus tard, après qu'il t'ait fait tant de mal, tu décides enfin de te séparer de lui. 2 ans plus tard, tu le revois dans le même type de voiture que quand tu l'as rencontré. Le justicier, j'ai compris. Plus tard, tout l'argent que tu avais dépensé sur lui quand tu étais avec lui en 2014, 2017, 2022. Donc voilà, en 2024, tu as plus que ça. Le voilà en 2004, 2024. 3, 4 ans plus tard après, il n'a pas avancé. Donc, le monde est divisé en ceux qui ne bougeront jamais parce que leur cœur est noir. Donc, quand Dieu leur envoie des anges comme nous, ils sont heurtés. Et pense que les qui est bavard trop. C'est un honneur pour toi que je bavarde sur toi, monsieur, si je sois avec toi. Tu vois, quand tu es une femme, peut-être, tu arrives quelque part, tu as mal mis ton rouge à lèvres. Tu te vantes jusqu'à. Après, tu fais 2 heures de temps dans la soirée. Tu pars aux toilettes, tu vois que tu as le rouge à lèvres qui dépasse ici. Ou bien sur ta dent ici, c'est rouge. Et tu souriais toute la nuit. Personne ne t'a dit. Quand tu vas sortir des toilettes, là, tu vas détester les gens, non? Si tu as une amie avec toi, tu vas aller la gronder. Mais comment? Tu vois, j'ai le truc sur la bouche. Tu ne me dis pas pourquoi. Je suis en Côte d'Ivoire, oui. Je vous avais dit qu'il venait en Côte d'Ivoire, non? Golden fish, how are you, my queen? On te parle. On te parle. C'est un honneur pour les gens que vous leur parliez. Vos paroles sont de l'or. Vos paroles sont de l'or. Pas les affaires que tu bavardes tout à l'heure. Ah, mais moi, je suis ivoirienne. Oui.
Merci. Tu veux la consultation pour mission de vie? Oui, il faut payer. C'est 80 000. Quand tu payes, je vais te consulter. Golden Fish, I am great indeed. Le deuxième type de personne, ce sont les anges. Vous avez fait du bien aux gens sur 10 ans, on vous a sucé sur 10 ans, vous êtes toujours au top. En fait, plus on te suce, plus tu avances. Si ton cœur accepte et reste ouvert pour avancer. La Catalane. Tu veux savoir ma commune? Je suis à la Palmeraie. Malgré tout ce qu'on est venu, on a sucé de ton énergie. On t'a découragé quand tu voulais faire des business. Jusqu'aujourd'hui, tes choses avancent toujours. Chez nous, on disait toujours que Nayo, 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 Nayo. Et je vous ai dit l'autre jour dans une vidéo que ceux qui vous font du mal connaissent qu'ils vous font du mal. Vous allez devenir sensible aux Decepticons. Pas vos affaires que vous restez, vous dites que ah, elle ne savait pas. Mof, elle savait. Elle savait. J'ai embauché une personne une fois. Cette personne avait toujours tendance à... Tu vois, quand tu donnes, tu dis comment le travail fonctionne. La personne va faire ce qu'elle pense. Parce que cette personne pense qu'elle connaît plus que toi. Et je dis toujours à mes employés, si tu connaissais plus que moi, je serais en train de demander du travail dans ton entreprise. Si c'est toi qui demandes chez moi, ça veut dire qu'il y a au moins une chose que je connais que tu ne connais pas. Et c'est ça qui me donne l'avantage que j'ai sur toi, qui est l'avantage financier. Un jour, j'entends la femme se chamailler avec une de mes clientes. Je dis, donc ce que tu me fais là, tu peux pas faire à mes clients. Le genre de personne qui va aller derrière là, faire des trucs dans ton dos. Après, tu regardes, tu dis, mais c'était quoi le plan? What was this for? Le discernement va beaucoup vous aider dans cette saison de votre vie. Parce qu'il y a des personnes qui sont animées par un esprit très nonchalant, qui se cache, qui fait comme ça. Ça peut être ton gars. Il sort avec toi. Il te sabote. Tu ne sais pas. C'est toi qui prends son CV, tu marches pour chercher le boulot pour lui. Tu vois quelqu'un a besoin de dire que bon, je cherche une... Ah oui, j'ai ma femme, elle peut travailler, non? Quand tu trouves le boulot, on te donne la promotion, il refuse que tu partes. Que tu partes. On te donne un voyage gratuit pour la Chine ou je ne sais pas trop. Il refuse. Quand tu vas commencer à te laver avec le soleil, tu vas sentir l'esprit là à distance. Avant que tu laissais, tu disais bon. Parfois, avant, quand tu disais, que je ne voulais pas, je ne veux pas bagarrer aujourd'hui. Tu vois, quand tu as la maison avec ton gars,
coup à coup. Quand les problèmes commencent, tu vois ça de loin, non? Pourquoi tu as laissé l'assiette à la cuisine? Oui, non, j'ai mis la, j'ai lavé l'assiette. Pourquoi toi tu es venu aussi? Tu as... C'est comme ça que ça commence. Bonsoir, bonsoir. Et c'est comme si à la limite, il y a un esprit qui se réveille dans ces personnes pour te déranger. Toi qui es à Abidjan, je suis à Abidjan, prends le numéro d'Abidjan. Écris, hein, si tu demandes encore après, il ne te donne plus. Donc 0779 0252 05. Le numéro du Cameroun, c'est le 0, le 693 50 22 66. Peu importe votre pays, vous écrivez sur ce numéro. Je n'ai pas le numéro en France. Samira, si tu veux me voir quand je viens au Burkina, tu payes. Si tu ne payes pas quand je veux venir, je vois ton nom sur la liste, je ne te reçois pas. Tu comprends? Pourquoi il peut faire mon programme en fonction de vous? Tu viens quand? Tu viens quand? Quand la personne vient, vous disparaissez. Moi. Au Gabon, nous sommes à la montée de Louis. À la montée de Louis. En Côte d'Ivoire, nous sommes à côté du supermarché Bellecôte. Il y a une école qui s'appelle le groupe scolaire Les Petites Abeilles. On est en face. L'ennemi va te chercher. Et tu vois, quand quelqu'un te voit, il ou elle est jalouse de toi. Oh, voilà, tu sors avec un mec. Tu rencontres sa soeur. Vous avez le même âge. Hein? La soeur de ton mec et toi, vous avez le même âge. Prenez vos bics pour noter. Je vais encore donner le numéro tout à l'heure. Je ne donne pas maintenant. Prends de quoi noter. Vous avez le même âge. Il dit, bonjour, je vais te présenter ma femme. Voilà ma soeur. Tu dis, hey, belle soeur, bonjour. Avant de rencontrer son frère, tu as acheté tes chaussures et tes habits toi-même. Elle te regarde, tes cheveux sont bien faits. Depuis 3 mois que tu sois avec son frère veut déjà acheter une maison, il est en train d'arranger sa vie. La jalousie commence. La jalousie commence. Pourquoi elle a un boulot? Pourquoi elle s'habille mieux que moi? Sûr que c'est l'argent de mon frère. Et ton corps va te parler. Vous n'écoutez pas votre corps, je ne sais pas pourquoi. Chaque fois qu'elle prononce ton nom, il y a un truc comme un courant. Tu te sens mal. Quand elle est seule avec toi, elle te traite mal. Dès que son frère arrive, on était seulement en train de rire ici là. Il y a une jalousie qui est cachée. Vous êtes dans la voiture, vous allez quelque part. Elle dit qu'elle connaît. Tu dis ton endroit. Elle dit sa part. Et elle veut que son frère l'écoute. Elle veut que son frère l'écoute. Voilà vos sorcières. Au début de la relation, tu as ignoré. C'est pour ça que 5 ans plus tard, tu souffres. Parce que tu ne l'auras pas tapé sec au départ. Tu n'as pas mis les gardes fous. Arrêtez vos bêtises là. Quand vous êtes ici, attendez votre frère dehors.
Donc, je donne les numéros. Le numéro du Cameroun, plus 237, 693, 50, 22, 66. Le numéro du Gabon, plus 241, 074, 18, 0080. Pour la Côte d'Ivoire, 0779. Si vous ne notez pas, ne me demandez plus. Hein. 0779. 0252. 05. 0779. 0252. 05. Vous finissez avec tous vos problèmes de la vie, écrivez-moi. Voilà, médecin spirituel, pardon, écrivez-lui en privé. Il dit, écrivez-moi en privé pour finir avec tous vos problèmes de la vie. Pardon, écrivez-lui. Oh. En attendant, je le bloque. Tu ne viens pas faire ta publicité pendant mon direct. Quand quelqu'un vous dit qu'il résout tous vos problèmes là, ce ne sont que les paresseux qui vont aller. Allez-y, voilà son lien là-bas. Sylvain, merci. Si tu trouves que je suis belle, ça veut dire que tes yeux voient bien. C'est bien. Vous le demandez. C'est vous-même qui venez encore insulter les gens sur ma page. Qu'est-ce qu'il a fini avec les problèmes de sa propre famille? Hé, mes abonnés, vous avez le rebondissement. Merci Mélissa. Tu ne peux pas laisser quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui ne connaît pas où tu as commencé. Comment tu as commencé. Il te décourage. Plus on te fait du mal, plus tu prospères. Plus on te fait du mal, plus tu prospères. Vous savez ça? Je suis une vraie femme qu'il faut dans le foyer. Papa, je ne peux pas même pas la nourriture. Je sais que les hommes, quand vous cherchez la femme, vous voulez la ménagère. Je ne suis pas une ménagère, monsieur. Je ne suis pas cuisinière non plus. Donc, enlevez-moi sur vos projets, s'il vous plaît. Femme pour épouser, voilà, voilà. Quand vous dites ça aux femmes comme ça là, les femmes sautent. Il va m'épouser. Il va m'épouser. Quelqu'un ne peut pas venir te déloger de là où tu étais. On t'enlève de là où tu as commencé ta chose. C'est que toi-même, tu ne savais pas ce que tu veux. Tu as arrêté pourquoi? Ah, tu sais, elle est venue, elle m'a attaqué, elle m'a incité. Vraiment, quand je parle à mon mari, il ne comprend plus. Il comprend seulement à sa famille. Moi, je vais le laisser là-bas, je vais partir. N'est-ce pas? Chez nous, on dit que c'est le caterpillar qui va m'enlever d'ici. Na caterpillar go move me. Oui. Latifa, c'est ça. Caterpillar go move me from here. Tu divorces, non, il n'y a pas de problème. Pose tes pieds, tu pars. Tu commences ton business. Tu perds comme tu as perdu 2 millions, là, tu veux fermer. N'est-ce pas? Dieu m'a appelé. Je suis appelée à être businesswoman. On te donne ta première gifle, pap, KO. 3 secondes après avoir commencé. Tu ne t'es même pas né. Qui t'avait ça?
Vous croyez que la richesse appartient aux faibles d'esprit? Il y a même les voitures que si on te donne cadeau, fuis. Amel, comment tu vas? Fuis. L'assurance seulement, le carburant quotidien de la voiture là. Il veut la Range Rover. Tu n'arrives pas à avoir 3000 par jour. Oh là là. Laissez-moi vos bêtises là. Vous voyez pourquoi il me couvre toujours quand il fait mes vidéos, non? Quand vous avez vu un peu de ma peau jaune aujourd'hui là, que tu es belle, écoutez ce que j'ai dit, fermez vos yeux. Ta vie dépend de ton esprit. Ton esprit en bas, tu vas rester en bas. Tout le monde peut avoir 5 millions. Et que on peut donner 5 millions à tout le monde. Dans un mois, deux mois, les pauvres vont redevenir pauvres. Tu es sur TikTok? Ouais. Les messages TikTok ou bien quoi? Ben, je like les commentaires d'abord et puis j'ai fait une publication sur Facebook. Ok. J'ai quelqu'un qui travaille ici avec moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que vérifie, des gens répondent à ta place. Oui, j'ai pris une équipe qui travaille avec moi. Ta vie dépend de ton esprit. Pas pour ton mari. Tu reviens au Cameroun quand? J'étais au Cameroun hier, tu m'as vu. Mais t'es bloqué, hein? L'autre jour dans l'avion, je rencontre un monsieur. Il quitte sa place. Il est en train de jouer le game. Le game de tout là. Je regardais moi le game, ça me plaisait. Après, il quitte sa chaise. Il vient me voir. Quand vous pensez que je suis pauvre là. Quand vous pensez dans votre tête là. Il vient me voir. Oui, je te suis. Oui, c'est ma soeur qui m'a donné ton contact. Oui, je te... Quand tu me suis et tu n'as jamais acheté mes produits. Écoutez, hein. Tu peux voir quelqu'un, j'ai des ministres qui me contactent. Des célébrités. Quand tu lui dis qu'il y a le travail d'un million que tu vas faire, son corps commence à trembler. Il fuit. Tu vas voir une petite personne comme toi. Tu as peut-être 1000 euros, 2000 euros le mois. Tu payes tes choses que tu fais. Parce que tu connais là où tu pars. Il y en a parmi vous. Vous êtes plus riche et plus abondant que les célébrités que vous voyez là. Oh, c'est Fali Bouba. Il a tout l'argent qu'il veut. Qui t'a dit? Wosingo. Peut-être toi, tu peux manger ton pain beurre chocolat quand tu veux. Tu peux manger ton pain avec le croissant. Tu décides, tu manges ton petit poulet déjà là, ça te plaît. Tu pars à Kribi, tu fais deux jours. La prospérité est d'abord dans ton esprit. Aïcha, mon numéro est dans ma bio. Anderson. Quoyep. Ngayou. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui n'était pas là quand tu commençais. Parce que tu es la seule personne qui peut te laisser tomber. Quand tu décides, c'est comme quand on faisait la résistance quand on était à l'école, au lycée. Je n'aimais pas l'épreuve de résistance. Je préférais faire le 200 mètres. Le 100 mètres, je cours une fois, ça fait mal, je quitte ça. Mon cœur reste ouvert. Mais l'affaire qu'on m'a fait courir 20 minutes, ça me fait mal pendant 20 minutes, là, je passe tout ça. Mérimée,
Les anciennes personnes qui me suivaient sur ma page là, vous apparaissez d'aujourd'hui. Vous parliez. Tu ne connais pas là où tu pars. On vient, on te détrône facilement. Tu laisses partir. Tu laisses aussi. Quand tu décides que c'est bon, c'est bon. Quand tu vois là, tu faisais la résistance. Tu peux courir 10 minutes, il reste encore 3 minutes. Si tu t'arrêtes, tu es arrêté. Donc sachez que tant que tu n'as pas abandonné, tu peux encore gagner. Souvent tu restes, les impôts te touchent, le bailleur, les employés, même où tu payes les employés. Tu vois, ça a même l'argent pour payer ton carburant, tu n'as pas. C'est là que tu dis que c'est bon, je vais fermer le magasin ici. Comme tu as jeté l'éponge, c'est toi qui as détesté, c'est toi qui as préféré jeter l'éponge. Mais si tu dis que je vais continuer, ça fait mal n'importe comment tu pousses. C'est maintenant qu'elle comprend que faire un saut quantique. On a fait l'événement du Quantum Libre l'autre jour. Le prochain, c'est le 8-8. L'événement, c'était le 7-7. C'était très puissant. On a voyagé jusqu'à. Le prochain, c'est le 8-8. Je crois que c'est 100 000 francs par place. En attendant que j'augmente mes prix. Tout niveau que tu vas acquérir dans ta vie, ça demande une résistance à la pression. Si tu ne peux pas résister, tu meurs. Meurs, on t'enterre, c'est quoi? Tu vois, si tu meurs là maintenant, demain, même moi, je sais qu'elle veut mourir, vous allez manger, vous allez faire l'amour, vous allez continuer votre vie. Vous allez prendre le visa pour aller en bain. Donc, soyez sages. Toute personne qui continue de courir va arriver à destination. Voilà, M. Kouayab qui dit qu'à force de m'écouter tous les jours, j'ai travaillé son esprit. Maintenant, il voit les fruits. Ah, mais c'est super. Que tes fruits portent, que ça se multiplie. Donc, si tu étais là, non. Il y a les choses dans ta vie que tu n'as encore jamais vues. Il y a les endroits où tu peux encore partir. Dans ton esprit. Dès que tu vas entrer dans le champ là, que boum, tu vas voir, tu vas dire, hey, je ne me suis jamais vu milliardaire. Pas les affaires qu'on prêche ici, on vous dit que amen, amen. Tu sens ça, donc ton esprit te transporte là-bas. Continuez d'attendre. Je suis arrivé à un niveau où je ne demande plus rien. Je fais ce que j'ai à faire. Voilà Louise qui a dit qu'elle a commencé le lait caillé et ça marche. Ma chérie, ça va que marcher. Ah, oui, oui, non. Agora, kabou, ça va te donner l'argent. Guy Steve, les problèmes viendront toujours pour te déstabiliser. Ton ennemi est le plus sucré. Soit il est dans ton lit. Soit il est dans ta chaussure. Soit tu es même assis sur lui. Il faut seulement que tu te pousses comme ça là. Ta fesse droite là, c'est sur ton ennemi. Tu dis, hey, donc c'était toi. S'il n'était pas aussi proche, ça ne ferait pas mal. Si tu marches en route, un passant vient, il dit, je te déteste. Tu le regardes.
En avançant, tu dis, hey, c'est même qui ça? 3 minutes plus tard, tu as oublié le passant. Mais quand c'est ta meilleure amie, tu lui as dit comment ton ex-mari t'a fait mal. Tu lui as dit comment ton oncle avait abusé de toi quand tu étais petit. Comment ton ex-mari t'a escroqué, il a pris tout ton argent, il est parti avec. Donc après tout ce que je t'ai dit, tu me fais ça. C'est là que c'est sucré. C'est là d'où ce que c'est bon même. Comme on dit. C'est là d'où ce qu'il y a le goût. Tu vas pleurer l'affaire là. Tu vas faire la dépression. Tu vas parler de ça pendant 4 ans. J'ai une amie un jour qui m'a fait un coup. Les 6 prochains mois, il ne parlait que de ça. Il ne parlait que de ça. Quand une fille passait à côté de moi avec ma jumelle, j'ai dit, hey, pardon, pardon. Hey, pardon. Et qui est, tu dis qu'elle explique le lait caillé. Va sur YouTube, tu écris le lait caillé, c'est comment? Et qui est? Yannick dit qu'en plus d'être belge, j'ai une bonne âme. Bien sûr. Les belles femmes ont toutes les bonnes, les belles âmes. Toutes les femmes qui sont vilaines là, elles sont d'abord laides. Je ne sais pas comment Dieu a fait l'autre là. C'est rare de voir une belle femme qui est méchante. Si elle est belle, elle est méchante, c'est qu'elle a fait le maquillage. Je n'ai pas dit brune. C'est rare que tu vois une belle femme qui est méchante. Parce que son esprit à l'intérieur ne peut que se refléter à l'extérieur. Et elles sont laides, elles ne comprennent pas qu'elles sont laides. En fait, c'est votre leader qui fait qu'on voit même que vous êtes laide. Souvent, tu vois une femme comme ça, elle se comporte tellement bien que tu la redessines dans ton esprit. Je suis ici pour résoudre les problèmes des gens, Daryl. Soyez laide et gentil. Même chez les mecs. Souvent, tu vois un mec comme ça, là, un punk comme ça, là, grande taille, ce que les filles aiment là. Et quand il te parle, il est gentil. Parce que je te dis que bon, il doit être arrogant, il doit être... Non, tu demandes la route, il te montre. Tu as besoin de lui dire, non, regarde, c'est par ici, madame. Vous allez comme ça, vous allez comme ça, comme ça. Tu dis, waouh. Il est beau, il est gentil. Il a une belle âme. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont petits de taille comme ça là, non? Les grands frères de Gourou là. Il a 5 personnalités. Il a un trouble compulsif de la personnalité. Martine. Et la belle femme, souvent même dans son esprit, quand une laide femme te fait quelque chose de mauvais,
Tu n'osais même pas dire dans ton esprit qu'elle est laide. Donc, pas avec la bouche, genre, hey, mais elle est laide et méchante. Mais dans son cœur, là, elle sait que tu es belle et tu es gentille. Elle fait tout dans son cœur pour se prouver que tu es méchante. Hé, hey Marie-Christelle, que ton ex va lire ceci, oh. Que mon ex est bien laid, mais c'est lui qui a tous les démons du monde. Écoutez, je crois que je vais essayer de prouver ça. Mais je crois qu'il y a des démons qui rendent laid. D'ailleurs, la majorité des démons rendent les gens laid. C'est pour ça que quand tu vas faire ton spa, tu fais tes soins, tous les démons là sortent de ton corps, tu deviens beau. Tu deviens beau. Naturellement. Regarde ta peau comme ça, là, ça déjà. Les deux filles, les garçons, là, vous allez venir dans les commentaires me déranger. Que tu es sûr, pas toujours, parce que tu veux te convaincre. Écoutez, il y a des gens que quand tu te regardes, toi-même, tu sais que tu n'es pas bon. Toi-même, tu sais que si on emprunte une dizaine, on met sur toi, là, ça ne donne pas toujours. Il y a des gens comme Vanessa, la fille qui est encore en scène, là, Vanessa Cassiero, je pense. Même après 50 enfants, la femme-là sera toujours belle. Il y a les femmes, les filles que, même dans leur jeunesse à 17 ans, elles n'étaient pas aussi belles que Vanessa. C'est naturel. Sandrine a bien dit que c'est ce qui est dans le cœur de l'homme qui le rend moche. Et il y a des gens que tu les as connus avant. Ils n'avaient pas encore travaillé sur eux. 5 ans plus tard, tu les rencontres. Ils ont évolué spirituellement. Ils sont devenus beaux. Il y a des gens qui deviennent beaux. Il y a des gens qui rencontrent d'autres personnes. Ils vous mettent ce venin dans le cœur. Vous devenez laid. Une femme se marie avec une mauvaise personne. Elle devient laide. Les boutons sautent sur elle. Andrew. Tu es beau gosse, je suis sûr. Comme tu dis que, eh oui. Alors, Rosine dit que son kit, tu as pris quel kit, mamie? Le kit fondation. Même avec le charbon, oui, oui. Les belles femmes restent belles. Vous savez, j'ai appris à appeler le chien-chien et le chat-chat. Tu viens, tu es vilaine. Et tu es méchante. C'est ce que tu es. Avant, j'essayais dans mon cœur de dire, bon voilà, soyons gentils, mettons-la dans le groupe des belles filles, dans mon esprit, je la place un peu. Non, 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 non. Elle était désagréable. Elle était laide. C'est ça. Andrew, tu n'es pas laid. Tu te caches. Le kit déblocage ne contient pas les bracelets. Si tu veux le bracelet, tu demandes à part. Les belles personnes sont aimables, c'est juste que, avec le temps, elles finissent par devenir solitaires, retirées. Ce sont des personnes un peu privées. On a l'impression qu'elles crânent, qu'elles se vantent. Non. Qu'elles se mélangent avec les laides personnes. Les laides personnes commencent à vouloir les enlaidir aussi. Avec les mauvaises pensées, avec les plaintes bizarres, avec les faux problèmes. Tu pars dans une cité universitaire vivre à côté des gens qui sont laides, pourquoi? Ta voisine est laide, tu déménages. Et Seigneur, d'accord, tu as pris le kit fondation, c'est ça qui te rend belle. Hein? L'huile de blindage qui est dans le kit là, c'est la chimamulu. La laideur, c'est un esprit. Ah oui, ma chérie. Tu vois, la personne est désagréable.
Tu as l'impression que tu fais peur aux gens, Anita. Anita, tu es laide. Pourquoi tu dis que tu fais peur aux gens? Vous m'attendez au Burkina. Hein? Réservez déjà vos places. D'un moment à l'autre, je vais vous dire que je suis au Burkina. Ne croyez pas que je vais faire le direct pour dire je suis au Burkina. Je vais filmer l'aéroport, je suis au Burkina. Non. Non, non. Et les gens qui sont beaux, ils veulent toujours sauver les gens. Ils veulent toujours aider les gens. Ils croient toujours le meilleur des autres. Ils donnent toujours une autre chance aux gens. C'est ça qui vous rend beau. Il y a un moment où tu finis par comprendre que tu n'es pas fait pour te mélanger avec les gens. Chaque fois que tu veux te mélanger pour les aider, tout le leader là vient t'engloutir. Mais tu dis que, ok, de toutes les façons, je ne peux pas rentrer avec vous dans la leader. Je ne peux pas devenir laide. Donc je ne fais que monter et devenir belle. Donc je vous laisse en bas avec votre leader. Tu vas arrêter d'essayer de sauver les gens. Tu arrives, tu vois un produit qui est bien pour la peau, tu vas acheter pour trois de tes copines. Tu trouves un salon de massage qui est bien, tu veux les amener là-bas. Tu payes même pourquoi pas te se masser. Tu as les habitudes des riches depuis. Hein. Voilà Didi qui dit qu'elle a pris le kit de déblocage. Elle a, ça fait 3 jours qu'elle a commencé à utiliser. Que sa peau rayonne. Bien ça. Les attaques vont venir, mamie, ne te dérange même pas. Quand tu commences à utiliser un de mes produits là, ça touche d'abord ton l'intérieur de ton corps. Le bain, c'est 50 000. 85 euros ou 50 000. Le lavage à distance. Non, je n'ai pas encore une représentante au Sénégal, mais on envoie, on poste les produits au Sénégal. Pour savoir que tu es une belle personne. Généralement, les belles personnes ne savent pas qu'elles sont belles. Tu arrives dans une boutique, tu veux toujours, tu vois l'huile qui est bien, tu veux donner pour, tu vas acheter pour tout le monde. Tu découvres un salon de massage. Tu vas amener tout le monde dedans. Viens découvrir ça, c'est bien. Hein? Tu trouves un bon restaurant. Tu vas amener les gens à bas manger. Les belles personnes ne sont pas seulement belles à l'intérieur. Ta beauté physique, là, c'est une sorte d'aura qui sort de l'intérieur. Comme vous voyez Jésus, non? On met tout Jésus avec une lumière sur sa poitrine. Pardon, une lumière sur sa poitrine. Les personnes qui sont belles physiquement. Ce sont les personnes qui ont l'aura qui rayonne de l'intérieur. Oui. Ceux qui vont me voir à Ouagadougou, payer les soins énergétiques. Je ferai les soins énergétiques. C'est différent du lavage. Je ferai les lavages. Je ferai les soins énergétiques. C'est un traitement où je passe sur ton corps, je te touche. Et le lavage, on enlève la malchance en même temps. Il y aura l'étude de carte, il y aura les consultations. Donc, réservez ce que vous voulez. Donc, les personnes qui sont belles, elles cherchent toujours à embellir les autres personnes. Tu rencontres un homme, il est laid, tes yeux essayent de l'arranger. Tu fais de ton mieux pour dire que, bon, voilà son nez. On peut quand même voir son nez comme si tu fais le gommage sur son nez jusqu'à le nez là commence à briller. C'est ça les personnes de lumière. Généralement, les agents de lumière sont très beaux. Les agents de lumière aussi, les personnes belles, ce sont les gens qui attirent beaucoup. Et très souvent, vous vous mettez avec des gens qui sont jaloux de vous, que ce soit des copines ou bien un copain amoureux. Et quand vous êtes ensemble, la personne voit l'attention vers vous, ça le dérange. Ça l'énerve. Vibreur, s'il te plaît. Ça l'énerve.
Du coup, la personne te reflète sa laideur par ses paroles, par ses blocages. Non, on ne sort pas. Non, on n'accepte pas la promotion là. Ah, ne voyage pas là-bas. Fais attention à l'homme là. Sa laideur sort comme un venin qu'il veut mettre sur toi. Et comme tu ne sais pas qui tu es, tu restes dans ce même endroit. Il verse tout le venin sur toi tous les jours. C'est comme ça que tu finis par devenir... Tu t'atrophies. Tu redeviens petit. Ta puissance diminue. Et c'est comme ça que tu deviens laide. Il y en a même, tu as eu l'enfant avec quelqu'un qui est laid. Ton enfant essaie quand même d'avoir la beauté. Quand tu es à côté de ton enfant, on voit comment tu es belle. Malgré le fait que tu as 3 enfants. Et il y a certains de tes pères, des baby daddy là, que tu ne devais pas concevoir avec eux. Parce qu'ils ont, ils avaient un sperme trop laid. Je vous dis les réalités, ça fait mal aux oreilles, mais tant pis. Son sperme là, il est trop laid. C'est que le père de tes enfants, il est trop laid. Tu as même arrangé sa progéniture. Tu as arrangé sa progéniture. Son sperme est resté dans ton corps au moins 5 ans, avant que ton corps d'avant est revenu. On sort pas avec n'importe qui. On ne conçoit pas l'enfant de n'importe qui. Que oh, notre enfant sera belle. Il t'absorbe, son enfant t'absorbe 9 mois dans le ventre. Quand tu accouches, une partie de ta beauté part. Ton ventre reste gros pendant 2 ans. C'est le sperme de... Quand j'enseigne mes choses, vous ne voulez pas croire. Aïe. Ah, yeah. Que mon ex là est bien jaloux, frustré, bien laid. Il t'opprime et il devient un Voilà, il te trompe même pour te faire croire que peut-être c'est à cause de toi. Oui. Peut-être vous faites les enfants avec n'importe qui. Allez toujours. Voilà ton enfant, non? C'est ton enfant, tu as fait comment? Mais tu sais que tu aurais pu avoir un enfant plus beau que ça. Accepte, ton cœur reste ouvert. Voilà les femmes qui sont en train de dire que c'est vrai, c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. Le genre d'inspiration que j'ai eu là, je sens que ça sort tout droit du trône de Dieu, l'autre là. Olivia, tu veux savoir si je suis en Europe ou tu es au Cameroun, ça va changer quoi? Je suis à Abidjan. Je vends les produits de déblocage. Vous achetez les produits, vous travaillez sur vous avec. Et vous payez, je travaille sur vous à distance. Mais ne cherchez pas à me voir. Souvent, tu ne te sépares du genre d'homme-là. Tu restes comme ça après. Tu dis que, qu'est-ce qui m'avait pris? Hey! Tu essaies. Tu dis que peut-être c'était pour le Boutoulou. Tu te rappelles qu'il avait un truc qui n'était même pas long. Tu te dis que peut-être tu ne sais pas ce que tu faisais derrière le gars-là. Toi-même, tu ne sais pas. Même la classe où il n'avait pas. Yes. Vous revenez de loin, hein. Vous revenez de loin. Prends le numéro Wave alors, je te donne mon numéro. 225-07-79-02-52-05. Le mot là, c'est Wave et Orange Money en Côte d'Ivoire. Donc, 225-07-79-02-52-05. Le lavage à distance, c'est 50 000 francs. La lecture de cartes, c'est 22 000 francs. Le numéro du Cameroun, c'est le 237
6 93 50 22 66. Olivia, merci. C'est ça. Parce qu'on se mélange n'importe comment avec les gens. Il y a les gens que quand ils viennent à côté de toi, ils commencent à sortir avec toi. En deux semaines, sa carrure change. C'est l'onction que tu portes. À part les habits physiques qui changent, ils commencent à t'habiller différemment. Le truc qu'on se dit, quand on dit le Black Wife Effect. Partage alors mon direct, Soulé. Partagez mon direct, s'il vous plaît. Tu vis comme si tu n'as personne, pourtant ils sont dans la même ville. Donc tu comptes encore sur quelqu'un. Les gens que quand ils savent que tu as évolué là, ils ne sont pas contents. Bonsoir. Je me suis depuis, merci. Merci Anna. Adriano, merci pour le partage. Bon, je vais vous laisser dormir. J'espère que vous avez écouté ce que j'ai dit et que ça va vous aider. Parfois, c'est bien de faire des réflexions juste pour laisser certaines personnes partir de ta vie. Parce que souvent, tu restes, tu sens que je dois me séparer de la fille ici. Parfois, ça peut être une amie. Hein? Tu es une femme, elle est une femme. Vous avez des liens d'âme qui sont mauvais. Tu te téléphones tous les soirs, téléphone, téléphone. À un moment, tu sens que je dois arrêter. Quand le Seigneur entend te convaincre, tu dois arrêter. Et Rachel, c'est bien. Il y a des choses que vous devez rompre. Il y a même des personnes que tant qu'ils ne sortent pas de ta vie, tu ne peux pas ouvrir le magasin que tu veux ouvrir. Tant que la personne ne sort pas de ta vie, tu peux avoir le visa que tu cherches depuis. Dès que la personne sort comme ça. Oui, on essaie de te joindre depuis 2 mois. Oh là là, on avait perdu ton numéro. Oui, viens au magasin ce soir. Viens demain, on te donne la clé. Axelo, bonsoir. Mamie, bonsoir. Il ne faut pas aussi regretter quand une personne sort de ta vie, bien sûr. Voilà. Actuellement, tu as plein de contacts que tu voulais bloquer depuis lundi. Hein? Bloque. Tu vas te sentir bien. J'ai souvent des gens dans l'entreprise qui font un genre. J'essaie de trouver une raison pour garder l'employé. Tu essaies. Maman, le jour où la personne part, même si c'est 2 jours de congé qui étaient donnés, tout le monde respire dans l'entreprise. Ça veut dire que tu es dangereux.
blagueur. Tu vois, Andrew, il t'a dit que tu es une bonne personne, non? Donc voilà, que Dieu t'accompagne dans tes prières et projets. Il n'y a que les bonnes personnes qui peuvent parler comme toi, là. Tu es beau. Il te dit que tu es beau, que tu veux ou pas, tu es beau. Merci, mamie.